impression. First half was super difficult because we had no approach to this game. We were not ready to play this game. For us, it was clear that Guingamp has a lot of quality, play a very intense game, and it's a very complicated team to play on their home pitch. But still, we were not ready. I have no explication for this. I can only say that it was like this right now. And we were very, very happy that we were alive at halftime. There was a chance to be 2 or 3-0 down. That was very lucky. And in second half, we changed mentality, but it was necessary. So I'm very happy that we did. The reaction was a top reaction, but it was also very necessary to do this, to show up. Non, non, c'est vrai que première mi-temps, cette équipe de Guingamp elle nous a mis en difficulté. Ils ont tout de suite exercé un bloc haut, nous on avait du mal à sortir. Ils ont eu des occasions, ils ont marqué des buts, un but, un deuxième, je ne sais pas ce qu'il y a eu, vidéo. Donc ouais, on aurait pu en prendre plus. Après on est revenu à la mi-temps, le coach il n'était pas content, il l'a fait savoir et il nous a montré sur quoi on pouvait faire mieux et on a appliqué ce qu'il nous a demandé et ça a marché en deuxième mi-temps. Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Je suis content de rejouer. J'étais un peu fatigué, mais ça va. Avec deux buts, on va bien récupérer. Abonnez-toi au canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscrivez-vous au canal de YouTube du Paris Saint-Germain.